Là, deux. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Il est 10 h et quelques minutes, donc bienvenue dans votre émission Wataniya Hebdo, votre émission hebdomadaire d'information, votre émission instructive, mais aussi de divertissement. Alors, le rendez-vous est pris dorénavant, c'est tous les samedis, à 10 h 30, en compagnie de mon grand DJ Ama, ou Ama Salam. tout court. Salam alaikum, DJ Ashbra. Aïkoum Encore, salam. comme tu viens de dire, c'est un grand honneur pour nous de partager le plateau avec, si tu veux, des invités de marque qui sont venus aujourd'hui pour nous parler de leurs activités, de leurs initiatives. Et c'est tout de suite sur Wataniya Hebdo. Alors, c'est votre première émission, comme je viens de vous le dire tantôt. Alors, l'émission, c'est aussi de l'information. Nous allons commencer par l'Union nationale des étudiants mauritaniens, l'UNEM, qui demande au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'entreprendre des réformes globales de conception pédagogique pour leur permettre d'avoir une meilleure formation adéquate à l'emploi. Alors, dans un communiqué publié ce mercredi, les étudiants exigent également l'ouverture du cycle des masters dans tous les départements. Ils demandent l'achèvement des travaux en cours au niveau des infrastructures universitaires afin que la rentrée universitaire puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Par ailleurs, les étudiants invitent les autorités à ne pas toucher aux acquis relatifs aux bourses à l'intérieur et à l'extérieur. Et zapping pour parler un peu de cinéma. Le jeune réalisateur Djibril Diaw, le réalisateur mauritanien, a signé un contrat de diffusion de son film 1989 avec la télévision Télésud qui émet en France et en Afrique subsaharienne. Le contrat a été signé en collaboration avec DocNet Film 1989, projeté lors de plusieurs festivals de cinéma à travers le monde, est un film documentaire de 52 minutes. Il a été réalisé en 2009 en partenariat avec la Maison des cinéastes mauritaniennes. Alors, Djibril Diaw, je pense que vous avez suivi son film 1989. Djibril Diaw, c'est ton jeune qui est en train de faire un travail remarquable, il faut le reconnaître. À travers le film, il a pu illustrer l'histoire, il a pu illustrer le vécu de certains Mauritaniens. Donc, on est très honoré justement d'avoir cette nouvelle qu'il a trouvé justement en contrat avec la chaîne de télévision. Donc, c'est vraiment quelque chose de motivant. C'est juste pour dire que même s'il n'est pas actuellement en Mauritanie, il est basé actuellement en France, il continue à mener le combat, il continue à travailler, il continue à persévérer à travers justement le travail exceptionnel qu'il est en train de réaliser. En tout cas, alors nous lui disons bonjour de passage depuis Paris. Cap, donc, dans quelques instants, nous allons recevoir Moussa Iliman Sall, qui est le coordonnateur. De RIM Youth Climate Movement. Je pense qu'il vient, il va nous donner plus de détails par rapport à ça. Donc, c'est une caravane qu'ils organisent qui va faire le tour, si tu veux, entre la Mauritanie et le Sénégal et pour clôturer au Maroc à l'occasion de la COP 22. Donc, c'est une initiative de jeunes mauritaniens. Donc, on va le laisser justement nous étaler le menu du programme pour nous Voilà. parler exactement il s'agit de quoi et qu'est-ce qui est prévu pour cette caravane. Ok. Donc, merci Mohaji Diallo pour le fond musical. Alors, nous allons voir une des photos de Moussa Iliman Sall en attendant de le recevoir sur le plateau. Juste une photo et après il va nous parler de cette photo-là. Alors, Ama, il est là et Moussa Ilman Sall est parmi nous ce soir. Ce matin, bien sûr. Alors, Moussa, bonjour. Bonjour à vous. Mbada.
Mashallah, ton père, ça va, ça se passe bien, mashallah. Et le week-end? Ça va, il aura été très court. Bon, il n'est pas encore fini, mais comme on est sur les chevaux de bataille, pour préparer un peu cette caravane-là et régler les dernières choses par rapport à la matérialisation de ce projet-là. Donc, ouais, les journées sont assez courtes pour nous ces derniers temps. Alors, j'espère que vous avez pris du café avant de venir. Ouais, bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Peut-être bien. Bienvenue alors, Moussa. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, en quoi consiste l'expérience des changements climatiques exactement? En fait, les changements climatiques, c'est une problématique très réelle pour nous autres qui sommes des pays en voie de développement et surtout dans cette Afrique subsaharienne. Pour nous, pendant longtemps, les gens ont pensé que c'était un luxe ou c'était une réalité qui était assez éloignée des nôtres. Mais c'est un vécu. Il suffit juste de parcourir un peu le pays ou le continent africain pour se rendre compte aujourd'hui qu'il y a des millions de populations qui sont aujourd'hui victimes des effets de ces changements climatiques. En Mauritanie, les effets font légion. On peut parler déjà de la France et des eaux de la mer qui menacent notre capitale. Il y a aussi ce changement dans le rythme des saisons. Il n'y a plus assez de pluviométrie ou bien il y a trop de pluviométrie. Et c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, on parle de cette problématique du changement climatique qui constitue un réel frein au développement pour nous autres pays en voie de développement. Alors, que réserve le climat pour le 21e siècle, quoi, en quelque sorte? Pour ne pas aller dans le sens des gens qui sont assez sceptiques sur la problématique environnementale et les changements climatiques, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont aujourd'hui, qui montrent qu'effectivement les climats ont changé et qu'ils ont changé dû à l'impact ou bien aux activités humaines. Aujourd'hui, on a conscience de ça, c'est des choses avec lesquelles nous devons vivre. Maintenant, on ne va pas aller dans le scepticisme béat. L'idée, c'est de trouver les moyens en tant qu'humains, en tant que communauté, de trouver les moyens de nous adapter et de faire face à cette problématique-là, parce qu'il y a toujours eu des changements climatiques, mais c'est aujourd'hui que nous avons eu des preuves qui permettent de dire qu'à cause des activités humaines, on a ces changements climatiques. Donc il y a un changement de paradigme à impulser et aussi des manières de vivre qui doivent être plus conformes à la nature. Mais est-ce qu'il y a des mesures sur vos concrets qui ont été mises en place pour justement éradiquer par rapport à tous ces changements climatiques? Vous savez, ça coûte très cher l'adaptation au changement climatique. Et nos pays sont aujourd'hui déjà en proie à de grosses difficultés, notamment sur le plan économique. Il faut nourrir les gens, il faut les faire travailler. Mais il ne faut pas qu'on oublie cette dimension-là parce que on peut vivre sans en mangeant, mais on ne peut pas continuer à vivre si on n'a plus de nature ou d'espace dans lequel vivre. D'où l'importance et la pertinence de prendre en charge cette problématique-là et de l'intégrer dans tout ce qu'on fait comme planification du développement. Heureusement, nous n'avons pas attendu que les partenaires ou d'autres pays viennent appuyer nos pays pour pouvoir faire face à ces problématiques-là. Au niveau local même, les communautés et les collectivités ont développé ce qu'ils appellent des mécanismes endogènes de développement, d'adaptation au changement climatique. Les autorités ont pas mal de projets qui travaillent dans cette logique-là et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Mais il faut le dire aussi, ça reste très en deçà par rapport aux effets et aux impacts que nous sommes en train de subir actuellement. Alors, pour parler un peu de transport et d'infrastructure lors du changement climatique, pour vous, quelle étude pouvez-vous faire de cela? En fait, bon, vous savez, la problématique du changement climatique concerne plusieurs secteurs à la fois. C'est à la fois le transport, l'agriculture et l'élevage, c'est aussi tout ce qui est industrialisation. Et chacun a un coût énergétique et un coût sur l'émission de gaz à effet de serre qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, dans nos pays, c'est beaucoup plus le secteur primaire, agriculture et élevage qui est pollueur. Maintenant, c'est des choses qu'il faut avoir suivre au jour le jour. Il faut des études scientifiques réelles pour pouvoir mesurer tous ces impacts-là. Malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment outillés, d'où peut-être la pertinence pour nos autorités de mettre en place un laboratoire ou un observatoire par rapport à ces changements climatiques pour pouvoir évaluer et suivre au jour le jour quel est l'impact du transport. Maintenant, en Mauritanie, les gens généralement veulent utiliser ce mode de transport individualisé, chacun sa voiture, et c'est bien dans une certaine logique, mais c'est très dangereux pour l'environnement et sur le long terme. Parce que si chaque Mauritanien veut avoir sa voiture, d'ici 5 ans, si on se retrouve à 5 millions de voitures, il aura un impact réel sur les émissions de gaz à effet de serre.
Peut-être que l'une des solutions pourrait consister à encourager les Mauritaniens à aller dans une logique d'utiliser les transports publics beaucoup plus, ce qui amoindrirait un peu l'impact carbone de chaque citoyen et permettrait aux gens. Maintenant, c'est une question de culture, comme je le disais tantôt. Il faut qu'il y ait ce changement de paradigme pour amener les gens à réfléchir de cette manière-là et à considérer qu'en faisant ceci, nous sommes en train, d'une manière ou d'une autre, d'impacter sur les gens, sur les, l'environnement et de protéger pour les générations futures. Donc, moi, je pense que Moussa a été très précis par rapport à l'intervention, parce que nous avons besoin de ces informations. Beaucoup entendent le changement climatique, mais ils n'ont pas des informations clés par rapport à ça. Par exemple, il y a ces quartiers qui sont inondables, les Chekojim et d'autres quartiers. Maintenant, par rapport au constat que vous avez eu à faire, quelles sont les propositions concrètes, vous, que vous avez à donner à ces populations-là? Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il y a des questions derrière? Que proposez-vous à ces populations? Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse faire la part des choses. Je ne suis pas scientifique qui puisse aujourd'hui me permettre de dire que ce qui se passe par exemple à Sepha ou à Sokojimpès, que c'est exclusivement dû à la question des changements climatiques. Certes, on est dans une zone qui est assez basse par rapport au niveau de la mer, parce que si tu prends aujourd'hui à l'échelle mondiale, sur les 10 villes les plus menacées par l'avancée des eaux de la mer, la Mauritanie, Nouakchott en fait partie. Donc, c'est un fait réel. Maintenant, il y a aussi d'autres facteurs. Les changements climatiques peuvent être un facteur amplifiant par rapport à ça, mais il y a des questions d'assainissement, il y a d'autres problèmes qui sont un peu dans cette problématique-là qui fassent qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une position tranchée, en tout cas à l'état actuel, scientifiquement, je ne peux pas me permettre de dire que c'est dû exclusivement au changement climatique. Maintenant, cette chose étant, il est clair que pour les organisations de la société civile, pour les populations elles-mêmes et pour les autorités, il est temps de réfléchir déjà à cette question-là. Parce que si tu prends la ville de Nouakchott, si tu l'évalues, c'est presque 80 milliards de dollars. Ouais. Les dernières études en parlent. Maintenant, si on reste ici à Nouakchott jusqu'à ce qu'il y ait ces inondations-là, c'est une perte réelle. Et je pense qu'on doit déjà réfléchir à ces options-là, de voir est-ce qu'il ne faut pas déplacer ou bien délocaliser certaines parties de cette ville-là pour les générations futures, parce que c'est une question réelle. Et tous les urbanistes qui ont fait cette ville-là, on savait exactement où est-ce qu'il ne fallait pas habiter. Mais avec l'urbanisation très rapide, les gens ont oublié qu'il y a des zones où on ne peut pas construire. Et toute cette partie en deçà du niveau de la mer est menacée. Et je pense que les autorités sont en train de travailler avec leurs partenaires technico-financiers pour mettre en place des solutions. Est-ce qu'elles sont durables? Je ne sais pas pour le moment, mais il y a des solutions qui sont en train d'être mises en œuvre pour pouvoir faire face à cette problématique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sall. Alors, pour parler un peu de la caravane, est-ce que ça va se passer? La caravane, c'est une initiative mauritanienne, comme vous l'avez mentionné au départ, parce que l'année dernière, on a tous eu au cœur de cette grande conférence qui s'appelait la COP21, où les gens ont discuté. Et il fallait que nous, jeunes Mauritaniens, parce qu'on est une organisation qui travaille dans cette problématique depuis 2 ou 3 ans, on s'est dit qu'il fallait que pour la première fois, qu'on prenne le lead de quelque chose au niveau international. Donc c'est de cette manière qu'est née l'idée. On s'est dit qu'il serait peut-être pertinent de voir dans quelle mesure on pourrait réunir les jeunes d'horizons divers, de se retrouver en Mauritanie et de faire une caravane qui irait vers le Maroc. La caravane consisterait à faire des stops dans les villes, à sensibiliser les populations, à sensibiliser les autorités, mais aussi à trouver avec ces populations-là et ces autorités-là les moyens de convergence pour faire des choses concrètes sur le terrain. Donc c'était un peu ça l'idée. Maintenant, le projet, en faisant son chemin, beaucoup d'autres collègues du continent africain et autres nous ont dit que ouais, mais partir juste de la Mauritanie et aller au Maroc, c'est très court. Et puis ça fait que l'Afrique du Nord. Donc pourquoi il ne serait pas pertinent d'associer aussi l'autre partie et de voir dans quelle mesure on peut créer un peu cette logique où tout le monde va se retrouver à Dakar et à partir de là-bas venir ensemble faire des stops au Sénégal, au Maroc et au-delà même de la caravane, il y a beaucoup d'autres aspects qui seront faits durant la COP22 au niveau de Marrakech. Dans la caravane, concrètement, il y a trois axes. Il y a un axe informatif, un axe formateur et un axe où c'est beaucoup plus dans la valorisation de ce que les collectivités et les communautés développent. D'accord. Parce que souvent, on est dans cette posture d'expert. On vient pour dire aux gens qu'on sait mieux que vous. Mais le mieux, c'est de les impliquer. Ouais, le mieux, c'est de les impliquer, de les associer et aussi de les responsabiliser. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vieilles personnes, des personnes de troisième âge qui ont une connaissance beaucoup plus prégnante de la problématique des changements climatiques que tous ces pseudo-experts. Donc, l'idée aussi, c'est de valoriser cette expérience-là et cette expertise pour que les autres n'aient pas à eux seuls l'absolu contrôle du discours sur les changements climatiques. Maintenant,
L'idée pour notre organisation aussi, c'est qu'on a fait 2 ou 3 ans avec un certain nombre de personnes sur cette problématique-là, c'est de préparer une relève. Et dans cette optique-là, l'idée c'est d'impliquer des jeunes, de très jeunes, pour pouvoir leur donner l'opportunité de voir eux aussi. Ça se passe comment? C'est d'une manière volontaire ou ça se passe comment exactement pour la caravane, la participation la caravane, elle est à 100% bénévole. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on va nous-mêmes, on est en train de travailler avec nos partenaires pour supporter la prise en charge de tout le monde. Et c'est une caravane qui va faire normalement 18 jours, donc du 21 octobre au 6 novembre, avec environ 11 ou 12 villes. On va visiter. Ça se passe comment? Au niveau des villes, il y a des activités qui sont prévues. Est-ce que les jeunes de ces villes seront impliqués dans vos activités? Ça se passe comment exactement? En fait, dans chaque ville, quand on arrive, on a, comme je disais tantôt, des activités. D'accord. Les activités, c'est une simulation de la COP. Mm-hmm. Les gens entendent parler de la COP, mais on ne sait pas concrètement de quoi il s'agit et comment ça se passe. Mm-hmm. Donc, c'est des simulations qu'on va faire avec une centaine de jeunes de la ville qu'on va visiter. Il y aura aussi 2 ou 3 autres ateliers formateurs, par exemple sur les énergies renouvelables, sur l'éco-construction, sur tout ce qui est agriculture durable, pour permettre à ces jeunes-là d'avoir des éléments qui leur permettent peut-être de s'orienter dans tout ce qu'ils appellent emploi vert. Parce que c'est une question réelle, l'employabilité des jeunes, c'est une problématique. Et je pense qu'à travers ce canal-là, on peut orienter des gens dans ces directions-là, qui sont des marchés porteurs, des secteurs porteurs, pour l'employabilité des jeunes. Et l'autre aspect, c'est aussi avec les collectivités locales. Mm-hmm. Parce que souvent, ces conventions, ces traités sont négociés au niveau central. Maintenant, il s'agit de traduire ces négociations-là dans des planifications de développement local. D'où l'idée de former un peu les techniciens du développement local sur la mise en place de plans locaux de développement climat intégré, sur la mise en place d'agendas 21 locaux qui permettent vraiment de saisir toutes les problématiques liées à cette question-là et de les intégrer dans la planification du développement. Maintenant, il y a un autre canal qu'on veut utiliser pour la première fois, c'est celui des artistes. Souvent, c'est des experts qui viennent faire des conférences et ça touche une certaine cible, mais pas toute la cible. D'où maintenant, il faut varier les canaux de communication et on impliquera des artistes jeunes, des artistes tradis modernes qui vont venir avec leur expertise et leur créativité donner une et certaine... Et la simplicité de leur discours justement. Oui, parce que il s'agit de ça aussi, rendre le discours suffisamment accessible. Combien d'artistes? Bon, pour dire sélectionner, je ne sais pas, on convie tous les artistes à ça, mais il y a un certain nombre de ces artistes-là qui va accompagner la caravane du début à la fin. Il y a des Sénégalais, il y a des gens de la Mauritanie et il y a des gens qui viennent du Maroc. Donc, il y a une équipe qui est en train de travailler avec eux pour mettre un peu les cadres de tout cet aspect-là. Donc, je pense que ces gens-là seront beaucoup plus autorisés à dire qui est là-bas et qui ne sera pas là-bas. Alors, pour parler un peu d'économie, comme le dit le président des jeunes cadres, en matière de projet, la finance vient toujours en dernière position. Alors, monsieur le coordinateur, pour clôturer cet entretien, alors, nous allons parler un peu d'économie, de budget et comme ça. Alors, il y a une caravane qui va durer 2 semaines, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un peu de votre bilan. Elle s'élève à combien, de la caravane? Et je dis que, bon, en termes de chiffres, ça avoisine peut-être les 250 000 dollars pour prendre en charge tout le monde de Dakar jusqu'à Marrakech pour toute cette période-là. Maintenant, je résume parfaitement ce que le CJD dit. Ce n'est pas forcément les finances qui posent problème. C'est généralement l'idée en elle-même, comment on la véhicule et comment on la vend aux partenaires. C'est ce qui pose souvent un problème. Et Dieu merci, je pense qu'on n'a pas bouclé le financement de tout ce projet-là. Et il faut qu'on soit honnête avec les gens. Mais avec les partenaires, les choses sont en train de se débloquer. Donc vous avez trouvé des partenaires qui ont compris, qui veulent justement accompagner l'initiative. On a des partenaires qui sont en train de travailler avec ces partenaires-là sur ces questions-là. Mm-hmm. Et je pense que d'ici la fin de la semaine à venir, on aura bouclé toutes ces questions-là pour vraiment nous atteler à l'organisation concrète de cette initiative. Et c'est aussi peut-être une opportunité pour mettre un peu l'accent sur un aspect. Il faut que les autorités, il faut que ceux qui sont dans ce pays-là commencent à croire à ce que les jeunes Mauritaniens sont en mesure de faire. Parce que moi, il m'est inconcevable de comprendre, par exemple, je donne juste un exemple. Quand on a parlé de ce programme-là au niveau de l'Union africaine ou bien dans d'autres pays, c'est comme ça, les gens étaient super intéressés et c'est eux qui nous relançaient au jour le jour.
Maintenant, ici dans le pays, c'est un peu difficile. Il y a des, il faut qu'on justifie vraiment de notre capacité à pouvoir faire ces choses-là. C'est dommage, mais bon, je pense que c'est des choses qui vont pouvoir avancer très rapidement. Et c'est justement, il faut qu'on soit persévérant et qu'on soit vraiment confiant en nous-mêmes pour dire que ouais, on est en mesure de le faire et qu'on va le faire vraiment. D'accord. En tout cas, Ashbara, moi, je pense que c'est motivant, c'est à féliciter parce que en écoutant Moussa, on sent et on comprend que c'est un projet réfléchi, hein, qui a été vraiment travaillé à fond afin de le proposer justement aux bailleurs et aux partenaires. Donc, ce que nous avons à dire, c'est de lancer un appel aux autorités, que ce soit mauritaniennes, sénégalais, marocains, d'accompagner cette initiative. Le plus important, c'est déjà d'avoir l'idée, de vouloir le faire, mais après, ce qui reste, c'est les supports justement d'accompagnement. En tout cas, on vous encourage et on vous souhaite vraiment bonne chance pour la caravane. Alors, et de dire à ces autorités-là aussi de toujours soutenir ces genres d'initiatives. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sall, d'être passé sur ce plateau de Watanabe. Et votre dernier mot, si vous avez un message à donner à la jeunesse ou si vous avez justement des éclaircissements ou, par rapport à la caravane, allez-y. Ouais, déjà, bon, on a mis l'application parce qu'on essaie aussi d'être le plus transparent possible. Ouais. Il y a une application qui est en ligne sur Facebook pour toute personne qui est intéressée dans la participation à la caravane. Mm-hmm. La deadline pour les applications, c'est demain à minuit. D'accord. Donc, on encourage tout un chacun de s'approcher aussi de nos équipes de communication et de voir dans quelle mesure ils peuvent être intégrés dans tout. Et toute personne qui a une idée qu'il pense pertinente ou ayant une valeur ajoutée par rapport à l'activité, je pense qu'elle est la bienvenue parce qu'on œuvre tous pour la construction de ce pays-là et pour l'amélioration de la condition de nos jeunes. Mmh. En tout cas, merci beaucoup. Bien dit. Alors, nous allons demander à Mohadji Diallo de nous passer une vidéo comme jingle en attendant de recevoir sur ce plateau le directeur technique du festival de Nouakchott Film. Alors, Monsieur Sall. Merci. Alors, bon après-midi. Ok. Marassès et Soukanyo. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Ok, merci. Allez-y. Alors, merci beaucoup, Moussa. Merci. Et à très bientôt. Bonne chance pour la caravane. Ok, merci. Merci. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Pas ser angon yalla go yow di mer danga wara dundu danga wara yow ler gis na li ni tek ñom yow ci sa der me mu ko rek la dina jur yow sa ker nenañ begum wala dama lay fawé dama yut rek no mala sawé boy xala tay sama guro di nga dé tax ñu ñak socc señ dañ bëgg di la ré nenañ bab zolim lay gam lolo la gamul boy yogul setti kenen ndax so yamul bari bari na no fi yow rafet nga tamul li dé sé gadi sen xol mo ci man nga mi Toi, Ngama, man, toi l'on a la because sorry. Get up to me, toi, Ngama, man, toi l'on a la because sorry. Get up to me, I'm begging to you, Luigi. Hold mom to baggedy boy, man, you la samunga day, ma fi why. Toi, Ngama, you why. Yeah, wax ji manul ñak nana fokh muy am ciolu bëra ji moy jor ñun sunu ndam ñi buñ mënon sax noy dañ la koy xagn xam nga ñepp mënu lu bëgg fokh muy am ñu bañ dégg na seeni wax seeni jow ñom seeni bow seeni gis gi sax yow xalaat bu ñaaw li nga ma jaral seen xel du ko daj na daw ci sa wax ci sax no ma di ko fat doy nga ma Voilà, mesdames et messieurs, amis très chers téléspectateurs, Babzou qui devait être là d'un moment à l'autre, je pense qu'il sera là parce qu'il fait partie de nos invités. Espérons qu'il est en route parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Alors, Ama, voilà Raouf, je te présente Raouf Ama, Raouf, c'est le directeur technique du festival Nouakchott Film. Alors, c'est un réalisateur, un cinéaste. Alors, on va parler un peu
de sa carrière professionnelle, mais aussi parler un peu du festival. Mais avant cela, laissons-lui le temps de dire bonjour à nos téléspectateurs de Watanabe. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je suis très honoré par cette invitation. Et je souhaite à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Watanabe une très bonne journée. Alors, Raouf, pour commencer un peu, nous sommes à la 11e édition du festival Nakshot Film, un festival incontournable de courts-métrages qui aura lieu du 23 au 27 octobre 2016 au village de la biodiversité. Exactement. Alors, techniquement parlé, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que Nakshot va assister, ou le public Nakshot va assister à un spectacle vivant. On va commencer la soirée avec un spectacle musical. Et ça, c'est une première déjà. Au lieu de rester qu'avec les films, nous allons commencer chaque jour en fait avec un spectacle musical suivi de la projection des films. Alors, il y a des films qui seront projetés, mais ça se passe comment avec ces films? Ce sont des films que vous avez sélectionnés en amont ou il y aura des propositions de films? Bon, il y a 23 films qui ont participé, y compris 13 films mauritaniens. Alors, on parle de films de courts-métrages. C'est pas déjà, c'était auparavant, le nom du festival, c'était le CENAF. C'est l'ex-CENAF. On est à Nouak Short Film, qui veut dire court-métrage. Et alors, tous les 23 films, c'est des courts-métrages, y compris 13 films mauritaniens. Et il y a des compétitions. Il y a la compétition internationale, nationale, la compétition d'atelier. Et on a ajouté une nouvelle formule, en fait, depuis quelques années, qui est la compétition de clips vidéo. Clips vidéo. Voilà. Et je pense qu'il y a une très bonne compétitivité au niveau de la compétition nationale et l'internationale aussi. On voit énormément de films mauritaniens. De production mauritanienne, et ça c'est très encourageant. Alors, je vais demander à Mohadji Diallo de nous passer l'image de Nakshot Film. Hein. Voilà. Nakshot Film. Alors, Raouf, pour parler, pour toujours être dans le cadre du festival, il y a combien de films qui vont participer à ce festival? Je viens tout justement de dire qu'il y a 23 films qui ont été sélectionnés, y compris 13 courts-métrages mauritaniens. Et ça se partage entre la compétition nationale, internationale et d'atelier. Pour la compétition d'atelier, il y a 5 films d'atelier. Pour les clips, il y a 5 clips aussi. Et pour le reste, c'est partagé entre la compétition internationale et nationale. Et c'est durant 4 jours, on verra un spectacle, en fait un mélange, un métissage multiculturel en termes cinématographiques. Et d'ailleurs, je vous invite, il faut que vous soyez là, les deux. Non, nous, on sera de la partie, ça, sans faute. Vous êtes l'initiateur aussi du ciné-quartier. Oui. Alors, Raouf, initiateur du ciné-quartier et président de Ciné-Club Panafricain. Alors, vous parlez un peu du ciné du quartier. Bon, le cinéma de quartier, c'est une caravane cinématographique que le public Nouakchott a l'habitude de suivre et de venir regarder nos films. Alors, on a pris en fait la période du Ramadan. Chaque samedi pendant le mois de Ramadan, et alors il y a 4 samedis, pour projeter un film en plein air dans divers quartiers de Nouakchott. Et je pense qu'après la coupure des gens, les gens n'ont pas vraiment de lieu où aller. Et l'idée est venue. C'est l'occasion de les rassembler, voilà, alors, de faire des projections. Exactement. On a eu beaucoup en fait, d'aide et de soutien des communes où nous projetons. La commune de Tafraq Zeyna, Riyad, Basra. On a choisi beaucoup de quartiers en fait durant ces 2 années. Et chaque année, on compte changer de lieu chaque fois pour donner l'occasion aux gens de découvrir. Et vous pouvez chaque fois découvrir le programme des films sur notre page, le Ciné Club Panafricain ou le Nouakchott Ciné Club. Et voilà, c'est l'entrée est gratuite, en fait c'est ouvert à tout le monde. On fait ça souvent dans des parcs, dans des jardins, dans des lieux publics, et c'est ouvert à tout le monde. En fait, c'est juste pour inciter les gens à
à utiliser et consommer le cinéma. Vous savez, le concept mauritanien, on n'est pas trop habitué par rapport au cinéma. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts, des bas, des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça se passe comment exactement pour tous ces déplacements que vous faites dans les quartiers, ça se passe comment? Bon, par rapport déjà... Est-ce que vous avez des partenaires aussi? Bon, la première fois, en fait, dès la première fois, on a eu des partenaires. Maintenant, le problème n'était pas ça. Le problème, c'était appeler les gens à venir regarder ou... À s'approprier, si vous voulez, de l'initiative. Exactement. Voilà. C'est, en fait, au début, on ne voulait pas les gens regarder un grand écran dans leur quartier. Mmh. Et ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Et du coup, il y a ceux qui restent devant chez eux sans autant s'approcher de l'écran. Mais nous, on incitait les gens à venir et on les faisait habituer. Et j'étais très content la dernière fois, j'ai vu un commentaire sur notre page. Quand est-ce que vous venez chez nous? Et c'était ça le but, quoi. Déjà, ça nous a pris 2 ans pour que quelqu'un nous envoie ça. C'est bien, c'est pas long pour une initiative pareille. C'est vrai que ça marche pas énormément ici, mais c'est avec ces initiatives que ça peut marcher. Et pour le cinéma mauritanien, quelle analyse pouvez-vous donner à ça? C'est un cinéma en voie de développement. Il y a des initiatives extraordinaires. Il y a un potentiel juvénile et technique excellent, que, au moins que j'ai pu côtoyer et j'ai pu remarquer. Ça reste juste en fait, un coup de pouce des autorités mauritaniennes. Et je ne vois pas en fait, d'obstacle au développement du cinéma et des arts en général. Mmh. Et on a un atout en Mauritanie, qu'on a des cultures plurielles. On peut utiliser ceci en fait, pour notre propre développement. Ce n'est pas un obstacle, les cultures plurielles. Au contraire, c'est un atout. Ça nous rend plus forts. Que nous pouvons vivre avec nos différences pour devenir plus forts. Alors, il y a ceux qui sont dans le communautarisme, quoi, chacun seul, mais non. Le cinéma, pendant que plusieurs personnes cherchent à trouver des moyens de vivre ensemble, le cinéma a pu regrouper les 4 cultures. Et l'art en général a pu regrouper les 4 cultures, les cultures en général. Et je pense qu'il faut appuyer ceci et que l'art c'est très important. L'art peut être un vecteur de développement, notamment en Mauritanie qu'en Afrique. Alors, pour toucher un peu, vous êtes aussi président de Elite Nakshat. Oui. Nous allons parler aussi de Elite Nakshat. Pas président, mais peut-être responsable, manager. J'adore manager. Alors, d'accord. C'est quoi Elite Nakshat? Bon, Elite, c'est une maison de production audiovisuelle et d'édition aussi, récemment née, quoi, qui a récemment vu jour. Mmh. Et nous comptons en fait donner un soutien, donner un coup de pouce aux jeunes musiciens qui veulent se lancer dans la vidéo, avec en fait, la vidéo avec une qualité qui les permet de projeter à l'extérieur, de diffuser pardon, à l'extérieur. Sur le plan international. Exactement. Il y a des chaînes qui donnent des normes en fait pour diffuser ton clip, quel que soit en termes de durée, quel que soit en termes de qualité. Alors aujourd'hui nous sommes là pour ces jeunes-là. Déjà, à la fin du mois, nous allons organiser un jeu concours avec divers partenaires. Et le premier prix, c'est une somme d'argent plus un clip tourné par Elite. Par Elite. Bon, c'est en cours de... On est en train de voir en ce moment comment déjà, mais on est en plein processus d'organisation. Okay. Mais je donne juste l'information en scoop à Watané. Alors, Raouf, pour un peu... encore dans le vif du sujet, puisqu'on parle de cinéma, personnellement, vous, classique même, c'est quoi le cinéma pour vous? C'est quoi le cinéma? En fait, c'est personnellement. Pour moi, c'est un outil d'expression. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'expriment à travers leur écrit, leurs paroles, leurs dessins, leurs graffitis. Je pense que c'est ça l'art que... Et l'art est la première langue mondiale. C'est-à-dire que les Égyptiens anciens ont communiqué leur culture avec ces générations
à travers des dessins. Nous n'avons pas pu comprendre les cultures anciennes sans les dessins. Alors je pense que ceci, c'est très important. Il faut que nous voyons l'art d'un autre concept, d'un autre côté. Et je pense que tout simplement, c'est un outil d'expression. On peut exprimer nos sentiments, on peut tout exprimer à travers l'art, à travers un film, à travers un dessin, à travers une musique. Et c'est international. Est-ce que vous avez une facilité de diffusion au niveau national? Parce que là, je vous vois vous déplacer dans les quartiers, c'est important. Mmh. Mais est-ce qu'il y a une diffusion, si vous voulez, large de tous ces films que vous êtes en train d'accompagner? Oui, en fait, pour le Nouak Short Film, le Nouak Short Film reste un événement incontournable depuis 2006, initié par la Maison des Cinéastes. C'est un festival aussi, il faut rappeler, qui regroupe plus de 50 000 personnes. À peu près, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de gens, et c'est très rare de trouver ça à Nouak Short. En plus, le cinéma, qui est un domaine qui n'est pas vraiment... beaucoup présent en Mauritanie. C'est-à-dire que la maison de cinéastes a su faire du festival un événement national. Et incontournable en Mauritanie. Voilà. Ouais. Et du coup, les gens viennent. Ça, c'est par rapport à la maison de cinéastes et le Nouak Short Film. Il n'y a aucun problème au niveau du public, de la diffusion. C'est un seul lieu. Cette année, je rappelle aux téléspectateurs que c'est au parc de la biodiversité. Quant au Ciné Club, c'est pratiquement la même initiative, c'est-à-dire on n'a pas de... on est partenaire déjà avec la maison de cinéastes. On essaye de faire les ciné-quartiers. Alors on choisit pour le moment, vu les moyens, on fait chaque mois de Ramadan de chaque année. Alors il y a 4 samedis dans chaque mois et on diffuse 4 films. Et chaque année ça change. Maintenant ce qu'on veut faire, c'est d'aller un peu plus vers l'intérieur. Peut-être faire le circuit, peut-être Nouadhibou, Nouak Short, Boutilmite. Ouais, au fond de la Mauritanie, pourquoi pas, pour impliquer tout le monde. Et on essaye quand même de. C'est-à-dire que c'est magique lorsque tu vas dans un village ou dans une ville qui n'a jamais vu ça et tu projettes pour la première fois. Et ne regarde pas le film, regarde les personnes qui regardent. C'est excellent et c'est joli. Et c'est touchant et c'est émotionnel aussi. Ça te donne de l'envie de continuer, même si tu n'as pas les moyens en fait. Mais ça te donne tu veux continuer et être fidèle à ce public. Alors, toujours dans ce cadre, pour un peu toucher, pour parler un peu d'émotion. Alors, L'Avocat du Diable, un film qui vous plaît, n'est-ce pas? Qui me plaît, non, qui me marque, ça me plaît pas. Voilà, alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Non, l'écriture du film. En fait, il faut être un diable pour écrire un film comme ça. Tu as vu le film? Non, je ne sais pas. Je te conseille. Je conseille tout le monde. Mmh. On va comprendre la vie, mais d'une autre manière. Quoi. Mmh. Mais il ne faut pas l'appliquer. Il faut regarder, mais pas l'appliquer. Pas l'appliquer, surtout, ouais. Oui, moi, pas pour ce moins de 18 ans, il ne faut pas l'appliquer. Mmh. Après 18 ans, il n'y a pas de souci. Mmh. En tout cas, c'est un film excellent. C'est le scénario, en fait, qui me plaît beaucoup plus. Le casting, c'était bien, ils ont choisi les bons acteurs dans le bon lieu, quoi, pour le bon rôle. Mmh. Et j'adore ce film. La question, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous a marqué dans le film? C'est la manière que l'avocat, qui était l'acteur principal, qui défendait un client, c'est son propre client en fait, et en le défendant, il attaquait son propre client pour finalement avoir raison. Il faut regarder. Voilà, il a eu en parler un peu de ce film et c'est vraiment impressionnant. La première Est-ce que fois, tu te rappelles du passage C'était au tribunal. Oui, pense. Oui. Voilà. Bon, on aura l'occasion peut-être. On invite aussi les téléspectateurs de suivre, si vous voulez, le film pour pouvoir avoir plus de détails par rapport à ça. Pour la dernière question, le cinéma en général. Qu'est-ce que vous touche dans le cinéma? Qu'est-ce que vous motive justement de continuer à ouvrir pour le métier du cinéma d'une manière générale? Bon, qu'est-ce qui me touche d'abord? C'est la traduction du texte vers l'image. Mmh. C'est lorsque tu écris et un peu de temps plus tard, tu vois le film.
ce que tu as écrit. C'est ce qui est magique, en fait. C'est la traduction, c'est la transition entre écrit et image. Ça, c'est ce qui me touche. Qu'est-ce qui me motive à continuer? Je pense que même si j'étais autre chose, si j'étais dans un autre domaine, je serais quand même très proche du milieu cinématographique et artistique en général, parce que je me vois là-dedans, je me vois que plusieurs personnes peuvent s'exprimer à travers leurs paroles. Moi, je préfère m'exprimer à travers mes films et j'aime toujours faire des ateliers avec des cinéastes, des cinéphiles surtout, de tous les pays. J'ai fait du Sénégal, au Mali. Yo, ça va, des charmes qui ont fait semblant. Wow, wow, wow. Des charmes quoi, des charmes qui ont quoi. Mais Rouf. Rouf, yo. Des charmes là, on est. Des charmes qui ont fait. Non, non, non. N'a fait. Yo, je sais que tu as fait ce dos, tu as fait un café. Oui, j'ai fait un café. Café Touba, hein? Voilà, café Touba. Tu as un café? Ah ouais. Tu as un café Touba, tu as un café Nar. Et puis, le plus, tu as un café? Tout est quoi, tout est café là, Nan. Ah, café. Wow, leg, nous allons résumer, nous allons dire, nous allons résumer sur Olof pour gars, mon adhéré quoi. Nous sommes aussi diversifiés, mon adhéré que funé quoi. Nous allons résumer tout y par rapport à qui au lutter nga. Nagaï bay, nagaï bay mer quoi. Nagaï mer, bay mer, globo quoi tu l'as. Bay mer moi, le petit quoi. Non, comprends nous des boules, des fois fondant des trucs, le petit chaloul, le petit chaloul, le petit chaloul. Explique-nous. Non, l'homme explique-nous, le petit chaloul, gars de mer. Wow, explique-nous nous comment. Souvent, wow. Un gars de pour des simples raisons. Wow, comme l'un. N'importe quoi, les simples. C'est-à-dire que il faut. C'est des plaignants, quoi. Il faut un bail yo-yo. Comment dem si kaw. Fate yo-yo, quoi. Parce que yo-yo, ça va nous retarder. Mais yo-yo, nous la boucle, comme yo-yo, moi. Wow. Non, moi, mère, birek, avec wach, bi. C'est-à-dire, comment l'homme. Ça veut dire l'autocritique, c'est bon. Autocritique. Vous critiquez Bobon, vous critiquez la société. Non, le bar là. Pour ça veut dire d'ailleurs refléter nous, qu'est-ce qu'on. C'est-à-dire, nous sommes bien comme manager, on est au café, à ce bras rompre. Donc ça va, vous n'êtes pas quoi. Il faut nous faire l'union. Wow. Il faut nous faire. Kari, nana ya. Est-ce que vous avez une photo ici? Demande que vous avez une photo, vous me marquez sur Facebook. Ben. Les quatre photos là, c'est bien une photo. Ben gars, moi je dis, je dors tes ben en bas. Nous dors, nous sommes les quatre en bas. Gars, je vois. Mais nous, là nous on dort, en bas nous dors. Deuxième photo, Jabarji, moi je dors. Gars, continue de voir. Gars, continue de voir. Ah, mais qui Jabarji, moi je gère. Jabarji, moi je vois le monde d'af. Après le contraire, moi je suis en bas. Jabarji, je dors. Mais qui le, qu'est-ce qu'on d'af? Quand moi Jabarji, je dors, moi je. Après, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Ça veut dire que. Non, mais je pense que l'humour est en solo. Et ça explique la vie en quelque sorte. Même dépasser, c'est-à-dire, pensons à ce que nous voulons. Pas à ce que nous. Dieu m'a dit que concret, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire, si nous avançons, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nan wax lu baxul sax sinu nang ko wax comme ça ñu xam nang ko ñu jëm ko safara pour avancer bala nga nan diw bufto bufto wara wa lu am solo lu am solo lu raw Rauf, merci d'être bien passé bien. Sur ce plateau. Alors un dernier mot pour toute la Mauritanie. D'abord je remercie votre auguste télévision de m'avoir invité dans cette matinale malgré que j'ai pas eu mon café. Tu l'auras. Oh, cool. D'accord, et je remercie tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. C'est simple, c'est cool, c'est une discussion simple, comme j'aime. Comme d'habitude. Ouais, un peu café avec moi, tout le monde. Non, grave, pas de problème. Vous dire, là, les deux, le défa et Soloul, le cave. Je pense que le message est reçu. Hein. Voilà. Donc, Raouf, madame Non, how do you do Baldehan? Djarama. Merci, mon ami Raouf, et à très bientôt pour vous souhaiter bonne chance pour le festival. Alors, Mohajid Diallo, je vais demander à Mohajid Diallo de me passer une nouvelle vidéo de African Soldier depuis Bogué. Ah ouais. On va le découvrir ensemble. Sorry de African Soldier et à tout de suite. Big up à Abda MC qui nous suit depuis Las Vegas. Big up Las Vegas, Naga Fof. Abda, salut Nama. African Soldier et à tout de suite.
Inch'Allah, African soldier. Afrique Samira Komusi Konjour Manatu Bomba dat Miko Bairi Weli Gido Mami Watu Mami Yim Gonga Pour Yim Bebe Njaba Min Mami Pro Min Kessani Yim De Gote Fo Yien Hore Mom Bendam Te Disa Bu Gido Velti Miko Dum Gomine Mi Wadan Heitar Konoko Weli Miko Min Mami Yim I love my story, ko dum don jogi mi te mami him. Min kesani him de go to for yen hore mum. Hey, bisuda ki him de my story. Gesan, sa du win ti tan mu fi party. Oh, so mi to nye gido, I'm sorry. And ba te ta sa fu pe cho wan ko to. Je ke le ko fen chengura mami now. This is my story. African is back, mashallah mindori. Mashallah mindori. Allah min koli gido min parnori. Jima kongurda ko wuri min guri. Oh no tirishta ko dum min santiri. We mashallah African nefori. No mix up dale back boy atako joni. Dirali geji kadalingu doidi. African Barca we Neymar Messi. Champion agasi min etsi victory. Hey, bisuda kim de my story. Gesan, sadurin titan move your body. Oh, so me to nyiki do, I'm sorry. And ba te ta sa pupe cho wan koto. Tekele ko fe chengura mami now. Bisuda kim de my story. Gesan, sadurin titan move your body. Oh, so me to nyiki do, I'm sorry. And by the time I put my toe on your toe, the killing of a chingur, I'm a me now. Sorry, sorry, sorry. And by the time I put my toe on your toe, the killing of a chingur, I'm a me now. Alors voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, juste pour faire un coucou à Bogenabe, fouf! Sarandogu Dogu Les Bogenabe. Rosanabe quoi. Eh, Rosanabe qui est nando, mais avant de parler de Rosanabe, il faut parler de Bogenabe. C'est. Alors, Misalmini Bogenabe, le fait. Alors, un coucou à Mohamed Massina et son frère Ousmane Massina, à Tata Djanaba et à tonton El Hadi. Rosé, Bogenabe, Misalmini, Misalmini Tudlo et Madame Fall et toute la famille quoi. Alors, nous recevons sur ce plateau. Le grand manager du hip-hop mauritanien. Moi, je l'appelle un manager du hip-hop mauritanien. Alors, Kajan, nanga fanane wala nanga yendo. Waaw, sante yalla rek han. Ziar len. Ziar ama, ziar hashbra. Parce que plaisir le ci man han. Tay ji ma ñew ci sen télévision et puis bi moy deuxième numéro bi. Premier numéro bi sétan nako, c'était MJ, c'était Jibril mu nek émission bu relax. Ndax dafa am lo xamanteni dama ko dencion sama biir xol. Donc moñi nak suma ñëwé faama génné ko parce que souvent da ngay tok sa galé par exemple bo liggéey lo radio nga tok sa galé di jakarlo ak télévision étrangère gis suma artiste di dem ba fofu di def sen promotion soit événement la soit sortie album soit sortie mixtape ak lu muti doon donc ñun buñu amé émission yu melni am suñu télévision donc lañ na timit parce que on a tendance que télévision yi jappelé wuñu émission yu melni. Et l'émission, ce qui est appelé, c'est un sponsor.
té ñun fi amnu na ay société yi nga xamé ni que té ji war nañu mëna soutenir émission bu melni franchement man gis nañ émission bu relax la gis nañ émission bu bien la gis nañ émission bu wara dundu la mais franchement je lance un appel direction bi nga xamé ni que mom mo nek fi directeur bi fi nek fi bu féké ñom mënu ñu def des moyens wala mënu ñu woy ay société yi nga xamé ni que té ji daanu ñew samedi bu né bu 10h30 joté am ben sponsor bu am tay bu mëna téyé émission bi téji ce événement bo len invité wolé ce événement du dem dé ah mais mala wax lolu mais gaay dañuy soob dé gis na len fofu non di xarbat non 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 mais soobani quoi ko yimi mu jibi ma sha Allah bi nga la parlé téñu ñi mo passage bala ñu nan xéret di dugg ci waxtan bi li lembé roso moy ndox roso gi man sax man danaka légui man nan ci ndox dex gi sax ndox bi mom buuy la wala ba gis na fari fari xam buuy la xam ah non non man ndox dex lu buuy la gis nga ndox dex ndox la nak ndox la même kadia gis nga ndox dex bu nexé gis nga nu muy mel han day melna café au lait wala lipton ak waaw mais waaw ñu muy man bay len saboté bi nak bay len saboté 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 dañuy xaar ba faré waaw acca man saboté mo je parle en connaissance de cause han ndox dex bu nexé sax gaay ñu koy nan village comprends nga bobu mo gën sax ndox bi mais tay bëgg nañu xam problème ndox bi fo lañ ci mais yow xam nga ci recevoir ñu bari très bien xam nga de li ngeen may laaj instant bi ni question bi ngeen poser c'est une question qui mérite d'être posée franchement en tant que rosso soit ma ngi dundu rosso té lool nek na problème rosso def na ni wa ñi nek ci adun bi yépp légui à travers les réseaux sociaux gis ñu problème bi comme ni ma ko waxé rek man je suis à la radio je suis quelqu'un bo xamanteni je suis pas mieux placé pour éradiquer manam wax problème bi mais xam amna lim ci xam manam ñaari parti yépp jot na len def ak ñom émission ñaari parti moy ñi nga xamanteni ñoy responsable technique lepp lu jëm ci walu ndox mi nu muy jaaré nu koy défaré ñu nek SN2 donc ñoo ñu dalal na len à la radio ñoo ñu ben parti ñu aussi timit ñi doon manif def marche aussi la fois passée man en personne dem na fofu talal na len sama micro wax ñu timit problème bi et puis c'est tout à fait normal mom lima mëna wax moy que ya un problème wa def état de lieu bi nan la bon problème bi problème aussi buñ ko naré faram faccé buñ ko naré tot émission bi day jeex té duñ ko paré motax bu ko mëj ci li am ba am waaw jox nañu li am ba am moy problème amna té problème bi mo waral marche bi té machallah ñu ngi remercier di wax mention spéciale à toute la jeunesse de Rosso parce que ñom franchement duñu jël sen affaire bi parce que xam nga Mauritanie dafa metti organiser marche dafa metti mais ñom xaarunuma samba xaarunuma dem ñom ñoo jël sen propre initiative ñu marché té machallah marché bi amna lu mu jour ndax binu marché def na timit autorité timi recevoir na len té timi c'est important bon ñi nga xamanteni itam ñom ñoo nek ci SN2 ay reçoit ñu sen famille ñu ngi fofu def na ni bu fekké ndox mi amna lu mu mel timi dalen di gêner man en personne invité na len né ñom vraiment lolu metti na len té ñom ils reconnaissent que il y a un problème bon problème bi nak du ci ñom il faut aussi état bi jappalé ñu franchement moyen yi ñu soxla pour ndox roso mëna normal nañ leen ko indil ñu tégal leen ko fofu comme ça ndox roso mëna jaar yoon doguma la ama gis nga avant ñuy wax sax waxu rek la problème waaw problème lan la quoi ñu mo technicien ndox nak salam alaykum technicien ndox la d'accord non xala kanya yo t'inquiète yo xala yo defo dara waxo dara mais c'est dire ñun luñu bëgg xam comme que invité nga kenn ci gaay duñu bëgg nga wax kenn ci gaay ñaari mu leer wala ci ñaari parti non ñaari parti non écoute xam ne na la man ndey ji cheikh la damay tedde ndiaxana deugal wax joju c'est à dire nekuma ci fi nekuma ci fe man suma wara nek sax ci askan bi lay nek parce que man aussi timide je représente la population parce sama amna famille à Rosso donc ndokh mi li ndokh bi amé problème ni mu metté gaay man non la ma metté parce que damay consommer ndokh bi donc lolu metti na ma kon buñu comprendre kadia s'il te plaît buñu comprendre amna problème ndokh ci Rosso ndokh bi dafa melni bouy baxul
Non, pas melni buy mais ndox bi dox amna problème amna wa des fois melni buy nak wa des fois melni buy nak wa duré ñaata duré la jël ndox bi mel non gaay dikoy ki nu mu démé mais non problème bi mom wax commence muy bëgg yag nak ba légui té aussi mom période nawet lay ñew nawet mom bu dikké rek problème ndox bu so dik na ah vrai dire man souvent tombé je suis des fois quand je suis en vacances au village à Tungen des fois damay dal ci genre ki bu démé mais comme kéro kérok bi photo bi ma gis non ndox bi mel non est-ce que wa je mo ñeu ben photo bi wa oui ma légui avant photo bi parce que aussi timit il faut que nous léral mbir quoi amna les jeunes yo xamanteni def nañu marche la fois passée je salue au passage ñom Makhtar Keita ñom Seydou Ndongo ak yu mel non amna suñu grand yu bax ñom ñoo téyé ndox mi nek timit des techniciens et tout donc lu melni def nañ il faut éviter les deux parties parce qu'il faut quand même man je parle en tant que professionnel quoi xam nga munuma taxo aussi timit di wax lo xamanteni ni maîtriser wumako waaw est ya ngi deug munuma wax lo xamanteni maîtriser wumako lima wax dal moy que amna problème ndox bi amna problème té timit ñaari kan yépp reconnaître nañ ko mais j'aurais préféré ngén éviter timit ku ci melni Seydou Ndongo wala Makhtar wala gaay yi nga xamanteni ño yoré commission ñi xéxal manam affaire ndox mi ngén éviter len après ngén éviter timit wa responsable SN2 ñom buñu togué dal len wax lu lèr lu tarafal ay ni lu xel mëna nangu ak lu xol mëna gérer ci problème ndox bi man nak bu len ma légui ak may fuma intervenir touti ci li lu am solo la hein wallahi lu am solo la wallahi sa dañ ñun buñu jema dañu pat li pas wa information wa non li mom c'est sujet bu important wallahi information lu am moy ndox moy aduna quoi rosso dañu am problème ndox man franchement sunu rosso la mo bu nekk sama kër ma yew ubbi robin gis ndox bu melni donc daf may jox ben ki non dalay titel sax pour ma titel dalay titel ga amna problème bi fan la nu muy démé lolou nonu population bi mu non duñu jema sax am réponse question yoy non luñu soxla moy ñu am des réponses vraiment yu gën gaaw par rapport ak problème de ce fait nak yeen seen émission bi dafa relaxer dé émission bi dafa am doolé té dafa machin chien dafa retintin ma la wax lolou billahi xam nga lay def non hach du deug la xam nga lay def ama invité les ñaari parti gën dafa machin dafa machin chien dafa retintin bo ma lañ ko may jël len alors merci beaucoup Didier Kadia mu ngi non mais nak ci sujet bu intéressant ngeen ma poser té li mo vraiment content na ci question bi franchement voilà mais tay franchement ñun bëgg non jot réponse voilà mais rose dañu problème dox ah wa am na buya wa rafa gën balama nak il faut gay defal len sen ndox yi non mais buy ma sha Allah ji bu neex la non dama len faral yo bu fekke buy la sax ñu ndox ñu jël ñu nan bobu bokku tak yalla nek buy yalla ndox roos nek buy ñu kay nan amin non buy rek en tout cas ñu xolal bu ko defé bu diiné amé soxlu ngay def sa jus wallahi ñu ngi am par jeune ñu xam ni roos wa mu ngi non taxaw taxaw bu am solo pour xex nga xam ni gay defal sen ndox donc lolu am solo té yeen aussi def na lolu soxal na len motax ngeen poser question parce que l'eau c'est la vie voilà pour justement dire à la jeunesse de Rosso, c'est vrai, problème amna, mais problème bu amé, bala ngeen wut solution, faxalen xam li indi problème bi lan la. Même gars bu ñu ñu dañuy défar affaire bi, faxalen ba problème bi, ça va pas se répéter quoi. Franchement. Donc, essayez yeen sen bop ñi manam jeune yi yëngu ci walu ndox, comprendre nga? Ñu faxé xam problème bobu non lan moko indi. Inch'Allah. Comme ça ñu bañé éviter lu mel non, réglé ko une bonne fois pour toutes. Alors, Kadia, Maxi Vacances. Didier Kadia, Didier Yu. Didier Yu mako ñu ko. Ñu koy ñu baax sama xamal sama xarit sama doomu ndey wuru gaay yi quoi. Ñu ni fo rek comme tay relax le fi la ko def. Non la démé. Man fi la ko def. Mais Maxi Vacances bobu non affaire bobu non nu muy démé. Waaw mu ngi non donc question bobu dina ci sawar comme ni ma saware timit tontu ci problème ndox mi. Donc Maxi Vacances mu na wax tay moy bi année bi moy 3e édition bi. Té li waral Maxi Vacances moy d'habitude deuk bo dem Oscar nga dawone deuk donc tok ñun ben moment Oscar amul won a Rosso on s'est dit que c'est pas normal aussi parce que gars yi doon dundu activité de vacances donc man ak ñu tok ñu ni il faut que tamit ñu initier ben initiative bi nga xamanteni lu bess lay nek lu waaw innovation lay nek lu gars yi xamul lay nek donc ñu initier lu melni Maxi Vacances ñu indi ko et puis tek ko gars yi apprécier ko machallah année ñaari année yépp ñu am lo xamanteni tamit duñ ko indi parce que artiste Mauritanien lo ci xamul amunu occasion di exprimer wu on se nu wax ko wala nu bañ ko wax amuñu occasion exprimer wu exprimer manam question tabou yek ribeur yek ak yu mel non doko deug ci radio bi doko deug ci television même bokay deug sax lu new la on se dit qu'on va donner l'occasion aux artistes
ci biir maxi vacances on va inviter des artistes yi nga xamni am nañ ay fans donc chaque maxi vacances il y aura un invité d'honneur bo xamanteni dina ñew nous jaglé ko plateau le plateau du maxi vacances donc le plateau c'est quoi on va inviter l'artiste et on va donner l'occasion à ces artistes là de s'exprimer par rapport aux questions bo xamanteni DJ bi dana ko joxe mais par rapport aux questions venant du public d'accord public bi moy poser question par exemple yo Hajbara artiste nga Hajbara day tox Hajbara day satch Hajbara day def naka sudul nonou Hajbara day tourner gauche day tourner droite donc autour question yi nga xamanteni moy moy wiri wiri ah té jaari ndarul donc il faut que tu indi ko ci plateau bi gaay yi mën ko poser bu ko defé yow nga am occasion wax ak ses fans béké lool amna féké lool amul nga wax ses projets donc lool mom mo indi maxi vacances donc 3e édition bi timit mo nékkone année bi donc ñu ngi ñaan yalla timit mu continuer té instant bi ñu ngi wadjal finale bi donc pour teunk rek manam lool mo indi maxi vacances alors ci bir maxi vacances programme bi programme ah, à part entretien bi wow. Programme bi du apparemment amna génie en herbe amna bien sûr artis, bien sûr ouais, bien sûr programme bi amna génie en herbe amna ay jeux amna jeux yi nga xamné jeux d'enveloppe amna jeux amna ay différents jeux yo xamanté dou ngay def ci bir pour xalé yi aussi donc amna aussi usher yi xam nga pour dire que usher roso la fekk baax fekké yegul len information bu lutax nga xol allo ah mais lolou mo am allo normalement ou chef roso la fekk bax yeen rabbi fa la fekk bax wa té lu ko non xam nga ñewuguma ci rabbi ba légui yeen waaw oui dégluma rek yeen mën lañ jël lépp nak wax dëgg fa yaa ah mais loolu la yalla def nak ben ngeen di jël loolu la yalla def té duñ duggé ci rabbi aussi xam nga du man du samay wax gaay ñoni roso capital durable en Mauritanie bala ñu yegg fofu han légui usher yi yow légui foko tax xam nga bu tax man lé usher yi roso la fekk bax ndax instant mini buñ waxé usher rek manam wa rosu ñoko téyé la preuve en est que tout récemment ci concours assalamu alaykum découverte le twins waaw wa rosu nonu boy mon frère man boy dama leen di dégg rek ñokay toj boy lu ñu def fetch ñu li def billahi ci ñom ñoo bok ci concours bi jël ko instant bi ñom momé fa billahi ñom momé man amna ben boy bu nek couve tuddu idi xamul dara wa kon baxna alors xamul dara alors légui amna d'accord donc ngay invité ay usher di da mu ngi non usher ay usher invité aussi timi des troupes théâtrales parce que aussi lu ñuy wax l'utile à l'agréable parce que aussi timi il ne faut pas que lu ñuy waaw mu nek fo bi rek parce que bo né génie en herbe c'est pour les élèves de permettre les élèves yi gëna xam sen jang gëna timi préparer sen études et tout donc troupes théâtrales yi des fois duñ duñ leen jox ay thème yu melni des fois sax mu ñu leen jox ndox di jox lan timit lu melni pali parce que timit bu ñu waxe pali tuddu yo te yow aussi timit wax deug yalla waaw roso mom aussi timit bon Yo bon dou moni boy ben xalé bu goor bu tuddu leer gi sel tafa alors mom mo gëné ay clip n'est ce pas mo gëné clip waaw moy mu def ben vidéo collect nice waaw mu def ko ak wa def xaliss je pense bien ak wa twins tamit ya carna tout yeen ci wala xawma truc du genre mais légui leer gi sel nekkone groupe LSK tamit mu am ben diable bu nek fofu non bu nane six wool gible mom tamit mu guéné mixtape bu appa tay légui lan nañu mëna japp ci walu hip hop ci bir roso tekkani ko gi bari na ciowli bari na nu mu démé non wax deug yalla wax deug yalla roso quoi wax deug yalla gis nga en tout cas jokéta mom gay buñ ko laal buñ ko djégé koku nañ ko jël ni tégué ko nélé buñ ko sax tuddu jokéta bokko ci koku c'est le père fondateur koku c'est le doyen non koku c'est mëna wax koku mom yalla bon koku yalla nako yalla fay xolam quoi parce que bobu legui mu ngi fi yag na metti na yaama gëna xam poetry gross poetry hip hop mauritanien yëpp dem ñu seen xam nga mom bi bu ñu jappé ba tay bayiwul donc mu ngi fi di jappalé new generation bi té ma wax la instant bi xeyna yow ñi nga cité ñoo ñu nga xam mais instant bi amna ay jeune ñukoy tok gis na seen barka rasulullah té joké ta défer ben programme ak la nouvelle génération wa mu ngi non donc comme ni ko waxe donc séparation bi mo bari na ci groupe yi muy LSK muy Magadan petit massif la nekkone
Ouais, petit mas nekone ci Skype tamit. Waaw, Skype ci la nekone. Groupe bu riche la. Mais dafa tass. Waaw, instant bi waaw, instant dafa tass deug la, dafa tass. Mais nak tass bi mom, bon, xam nga rek lu teug tass. Non la demé. Ah lu teug tass. Mais nak na fekk rek bu tassé rek mu neex ci xol yi quoi. Fekk problème baña am ak yu melno. Non, xam nga nak xeyna man munuma ci xous parce que duma xam réalité bi. Réellement lan mo waral sen séparation mais je vois que aussi timi groupe bu démé bay avancer ba am ben nom nous que essayer timi gérer ko mo gën timi séparation bi waaw légui pour ni ciëpét ndax ti gaay ni la sénalé waaw temps bi jeexna waaw waxtan bi mo neex rek non la démé motax affaire yi xam nga temps baangi dem sans portant du bay xat alors rendez-vous tay su goudi waaw tay su goudi yeen DJ MJ sen DJ MJ la ama DJ MJ sen DJ MJ la yow DJ MJ sen DJ MJ la man DJ MJ sama DJ MJ la non, la non. Preuve année que bu may fêter sama 10 ans nouna melni mom anniversaire bi wow. Donc man maniko dama japp mais ala kulli hali dina fexé ba baye yep ñew tay timit ci birthday inshallah tay xamna rendez-vous bi ala case la donc inshallah nous tagob bi nak wa tagob bi moy jaajeufal len et puis nan sponsor yi ñu ñew ndax wi suñu émission la suñu yeuf la donc ñu ci japp li la war dam nañ ko ñaan rek lool moy tagoto bi et puis di nuyu wa et puis di wax mourtini yep ben la wa rappeur noxoti rappeur roswayi danseur noxoti yoy ay fola rek ni quoi mais ñep ben nuñ te ñal yalna hip hop roso hip hop ros avance hip hop mourtini avance danse ros avance danse mourtini avance donc yalna xol yi nek ben crazy blam faté moko ah crazy jaajeuf crazy blam alors ama ngeen may ma café nak ma nan le deuxième numéro qui c'est qui va se clôturer. En tout cas, je pense que affaire bu am solo le recevoir Kadian fi ci émission bi mo def ñu ben point par rapport situation Rosni ñu ngi leen di ñaan tu vois un peu ñu continuer di gorgor ñu ngi def ligue bu am solo fofu non moy rappeur yi ñoom ñep problème buuy bi nak aussi ñu ñi xam bay dañuy topato buuy bi jula rek neex naan buuy bi ñu ko gis et puis ñu ngi ñaan aussi moy nguur gi def ci 5 et puis taxaw ci inshallah en tout cas ñu leen jox rendez-vous numéro bi du ñew inshallah 3e numéro bi samedi à partir de 10h30 et vous êtes nombreux à nous soutenir à travers les réseaux sociaux via Facebook. Dès la semaine prochaine, vous aurez les commentaires et les statistiques via YouTube et Facebook. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. En attendant, Joe Keita pour encourager nos Mourabitoun. Malheureusement, ils ont perdu leur match d'hier. Mais voilà, El Mourabitoun signé Joe Keita pour vous dire courage et diapo, banyabaye. Khaligida le guidam El Mourabitoun. Et à la semaine prochaine, même heure, Inch'Allah. يوم شفنا في وها طبعا بسقاعتنا نتابع هذه مباشرة نعتقد أنه مباشرة من هدف الهدف من الجول لطارق الهدف من الجول فاطمة Marginal.
على الفوق سجلونا الاهداف لاعبين متحدين من كل قبيل وجهه جيبونا ياك الكاس نرفو بها الراس ولفظوني كيبولار والبيضاني حماو الدار في الأزمة والداخل واللي مرقب في عضار نحتفلو كاملين بلا الانتصار شبابنا شاشنا ما ناس الكبار Bye.